blanc. C'est le Kidam. Aujourd'hui, je m'occupe de Wissam Gzelka. Wissam est un militant d'extrême gauche. Malheureusement, bien trop efficace dans son combat. Il n'a pas tant d'abonnés que ça, mais il a l'air d'avoir un nom et une grande influence dans le milieu antiraciste. Ne vous fiez pas à son air juvénile et inoffensif, c'est un de mes rares adversaires vraiment intelligents. Il maîtrise les codes de notre génération pour retourner les crânes avec des arguments fallacieux. Son discours victimaire et son humour nous rappellent notre Calimero islamiste Yacine Bellatar. Wissam et ses acolytes de parole d'honneur surpassent celui-ci en ayant une véritable patte graphique, un style plutôt urbain, dans les décors comme dans la bande-son, un style qui vise à toucher majoritairement les jeunes en utilisant leurs codes. Ils sont donc très présents sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir que l'entièreté de la rhétorique de Wissam sert uniquement les intérêts des maghrébins, particulièrement des musulmans, et que sa lutte antiraciste n'est qu'un outil pour pouvoir s'attaquer aux blancs, mais surtout à la France. Il se revendique anti-impérialiste, mais porte les stigmates de l'impérialisme américain, comme le ferait un homme sandwich. Désormais, je vais rebondir majoritairement sur les propos qu'il a tenus dans ses vidéos, analyser un peu son entourage, ses tweets. La chose qui obsède le plus Wissam dans tous ses discours, c'est cette notion de race. Toute occasion est bonne pour dénigrer le blanc. J'ai rarement entendu quelqu'un ramener autant tout à la couleur. Il me rappelle un peu Mehdi Mekhlat, mais avec en plus de ça, une ceinture noire en taquilla. Commençons tout en douceur avec un florilège de ses tweets. Déjà, on peut voir qu'il a des ennemis même dans son camp. Il dénonce ceux qui nous aident à accepter sa présence dans le pays. Car oui, nous ne voulons pas de quelqu'un comme toi, Wissam. Cela fait du bien de voir des racisés, comme tu aimes les appeler, s'intéresser au débat public et se comporter en français, en laissant leur religion à la maison pour parler des problèmes qui concernent notre peuple dont ils font partie. Cela fait du bien d'entendre un imam condamner l'islamisme. Ça fait du bien d'entendre un imam appeler les musulmans de France à rendre hommage à Samuel Paty. Ça fait du bien d'entendre un imam manifester son attachement à la France. Je sais déjà ce que Wissam dirait en entendant mes dernières phrases. Il dirait une fois de plus. Le fait de dire ça sous-entend que les musulmans ne sont pas français ou qu'ils doivent en apporter la preuve. Et tu n'aurais pas totalement tort, Wissam. Mais si on exige plus de témoignages similaires, c'est que malheureusement les attentats sont commis au nom de l'islam et que la communauté musulmane reste relativement silencieuse. Et si les catholiques extrémistes étaient à l'origine de ces attaques, je pense que tu aurais demandé à ce que les croyants se manifestent. Mais Wissam, quand on voit tes fréquentations, on se pose de sérieuses questions. Sur la poignée de vidéos que tu as pu faire sur ta chaîne, on peut croiser deux terroristes notoires. La première vidéo, présentée par un de tes collègues, traite d'un individu, d'un musulman radicalisé parti en Afghanistan pour vivre le grand frisson, qui a notamment rencontré Ben Laden et qui a terminé quelques années dans une des pires prisons au monde se situant à Cuba. On n'atterrit pas dans un camp comme celui-ci pour rien. Mais toute la vidéo semble excuser son entraînement chez les talibans. Vous faites passer les Américains pour des monstres et vous enfoncez la France car celle-ci a emprisonné ton invité à sa sortie de cette zone de non-droit. Mais tu ne rappelles à aucun moment les agissements monstrueux des terroristes qui l'a rejoint. Et le coup du « je ne savais pas que j'allais finir chez les terroristes, c'est pas ma faute, ils ont pris mes papiers » ne prend pas avec nous. Mais ce que je reproche vraiment à cette vidéo de 22 minutes, c'est que sur l'entièreté de l'entretien, à aucun moment il n'y a un avertissement ou une tentative de dissuader le public potentiellement intéressé par ses voyages. Et seulement sur les deux dernières minutes, l'ancien terroriste laisse entrevoir qu'il accompagne les jeunes dans leur réinsertion après la prison. Mais ce passage n'est pas vraiment clair. J'ai décidé d'aller témoigner, de raconter mon parcours, parce que j'avais remarqué que des jeunes, principalement musulmans, étaient attirés par le djihad, ou en tout cas que je pouvais être pour certains d'entre eux un exemple, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que des jeunes disaient, mon roi, t'es parti faire le djihad et tout, t'es un bonhomme, nous, on aimerait bien faire comme toi. Moi, ça me gênait d'entendre ça. Et je pensais que c'était une mauvaise idée, et en tout cas, ce qu'eux me disaient. À aucun moment, il ne condamne les actions d'Al-Qaïda. Mais je pense que c'est de la faute du présentateur de l'émission qui aiguille volontairement son invité, qui le pousse à développer sur les conséquences de son embrigadement et qui réembraye sur le manque d'accompagnement du criminel après sa libération. C'est peut-être son choix de questions qui bride les réponses de l'invité. Il y a autre chose d'assez intéressant. Le présentateur et lui semblent sous-entendre que la France a injustement interpellé et emprisonné toute la famille de Mourad, mais ne précise pas vraiment les enjeux de ses arrestations. Son frère ne projetait pas une simple attaque contre les Russes en France, mais il projetait une attaque chimique en fabriquant du poison au domicile familial. D'autres micro-détails peuvent nous alerter. Lorsque Mourad parle du 11 septembre, il ne commande pas cet attentat et nous parle directement des représailles américaines. La vidéo débute sur un tutoiement involontaire. Alors on vous reçoit aujourd'hui. Cela nous montre peut-être que les deux individus sont proches en dehors de celle-ci, mais ce n'est qu'une supposition. Même le titre de la vidéo est ambigu. Le terroriste est qualifié de rescapé. Aucun message d'avertissement, aucun signe de remords. La seule chose que l'invité aurait voulu changer, c'est le traitement réservé aux gens comme lui durant sa détention. Ce qui me dégoûte, c'est que nos dirigeants comme Darmanin sont capables de tout dissoudre pour un oui ou pour un non, mais des gens comme Wissam et ses copains peuvent monter une chaîne douteuse dans la plus grande tranquillité. Mais ce n'est pas le seul terroriste que vous avez accueilli sur votre chaîne. Je vais me recentrer sur Wissam. Durant un live avec la gauche bisounours, vous avez accueilli Jean-Marc Rouillant. Alors lui, c'est les Antifa version années 80. C'est pas du discontraint avec pour objectif de censurer, en revanche, c'était des assassinats bien sales. Lui et ses camarades ont dessoudé le PDG de Renault et un ingénieur général de l'armement.
Je vous invite à revoir ce live. Wissam semble admiratif de cet homme, ça fait froid dans le dos. Et d'ailleurs, durant ce live, il dira que son imam a été injustement expulsé pour avoir cité le prophète, mais en creusant un peu, l'imam en question ordonnait aux musulmanes de se soumettre totalement à leur mari. Eh oui, bon, pour le coup, il s'est fait Darmani Z. Une autre personne très influente est présente dans une des vidéos de Wissam, l'imam Elias Dimzalen. Le classique, l'imam bien radical. Il a déjà proclamé que l'important est d'être musulman et de défendre sa communauté, et pas d'être citoyen et de défendre son pays. Donc si le séparatisme devait avoir un visage, il aurait cette barbe mal entretenue. Il invite les musulmans à pratiquer des activités en non-mixité et de créer une économie parallèle pour défier la République. Ce mec à lui seul donne raison aux trois quarts des arguments de Zemmour. Comment parler de l'entourage de Wissam sans parler de son maître à penser ultime, j'ai nommé Ouria Boutelja. Je taquine là-dessus, mais ils sont très complémentaires. Une des seules choses à savoir sur elle pour cette vidéo, c'est qu'il est difficilement faisable d'être plus identitaire qu'elle. Elle connaît bien les tribunaux, elle a été souvent accusée d'être homophobe, raciste, antisémite, et toute la panoplie qu'on retrouve chez les antiracistes et les gogol 88. C'est également elle qui disait qu'il était compréhensible qu'une femme noire violée par un autre noir ne dénonce pas son agresseur pour protéger leur communauté. Attendez, si on joue avec le jargon de la gauche, c'est pas ça la culture du viol ? Désormais, je vais m'appuyer sur une vidéo de Psyodélique pour continuer la présentation de notre cher Wissam. J'aime beaucoup le travail de ce type-là. Je le trouve très pertinent, sur énormément de sujets. Mais, au bout de 2 minutes de vidéo, je pense qu'il fait fausse route. Il prend un peu de haut le décolonialiste en lui affirmant que la religion est de l'ordre du privé, et qu'il faut ouvrir un bouquin pour comprendre ça. Religion, c'est de l'ordre du privé, c'est déjà ne pas comprendre la religion. Bordel de merde. Je sais pas, tu ouvres 2-3 bouquins, t'étudies un peu, la religion c'est de l'ordre du privé, depuis à peu près la modernité. Mais je suis en accord avec Wissam. Si je prends le premier exemple qui me vient chez les chrétiens, la communion c'est un rituel qui ne pourrait pas se faire seul. L'essence même de cette religion est basée sur la communauté, la fraternité. Quand nous prononçons le Notre Père, il ne s'agit pas d'une prière individuelle, bien au contraire. Je ne suis pas suffisamment documenté sur l'islam, mais je suppose qu'ils ont d'autres coutumes qui fonctionnent de la même manière. Par exemple, durant l'Aïd, lorsqu'ils sacrifient un mouton pour le partager avec leur famille ou des gens importants. Il n'y a rien de plus communautaire que la religion. C'est notre rapport avec Dieu qui est individuel. Mais je pense que Psyodélique était un peu déconcentré car il venait de se faire traiter de sous-race par l'antiraciste. Je réagirai notamment au tweet que Psyo a mis en lumière. Wissam écrit « Mais enfin, quelle est la menace réelle d'un islamisme en France ?» Un autre passage nous montre à quel point l'idéologie de ce type est dangereuse. C'est aussi participer à la libération des blancs de leur blanchité. C'est-à-dire que les blancs quittent la blanchité pour retrouver l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cette phrase. Il dit presque mot pour mot que les blancs ne font pas encore partie de l'humanité car nous sommes soumis à notre blanchité. C'est-à-dire qu'il attribue une idéologie aux gens qui portent notre couleur de peau. C'est quand même bizarre de la part d'un antiraciste. Mais je vous avais dit qu'il avait un souci avec les blancs. À 30 minutes 13, il se plaint également d'une France islamophobe. Selon lui, l'État dissout les groupes musulmans car il est raciste. Il y a des organisations qui sont dissoutes, t'as des imams qui sont virés, je veux dire, nous on peut plus sortir. Mais quand on regarde un peu qui sont ces organisations, comme Retour aux Sources ou Baraka City, on se rend compte qu'elles radicalisent des membres qui finissent dans des groupes terroristes ou qui ont des liens avec la mouvance islamiste. Ces sanctions paraissent déjà moins injustifiées que ce que prétend Wissam. Vous voyez quel genre d'individu incarne ce pseudo antiraciste ? Il dissimule les chefs d'accusation mais ne se prive pas de condamner la France et c'est très grave, car ses spectateurs ne vont pas vérifier tous ses propos. Et ils vont avoir tendance à les prendre argent comptant. Un peu plus tard dans ce live, Wissam nous affirme que les victimes en France sont les blancs, que nous sommes les seuls à pleurer du grand dérangement. Mais c'est qui les victimes qui pleurent au grand remplacement H24 ? C'est qui arrête pas de pleurer en mode « On n'est plus en France ici ?» C'est qui est en train de pleurer en mode « Oh les Arabes et les Noirs, ils arrêtent pas de m'agresser ?» C'est vous les victimes ! C'est vous êtes en mode victime ! C'est vous arrêtez pas de dire ça ! C'est vous ! Votre principal propos pour dire qu'il faut virer les Arabes et les Noirs, c'est de dire « Ah mais les Arabes et les Noirs, ils sont violents avec les Blancs. » Bah, c'est vous les victimes. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, Wissam, c'est qu'on ne pleure pas du grand dérangement. Nous cherchons une méthode civilisée pour l'endiguer, notamment en le dénonçant. Tu voudrais des actes plutôt que des paroles ? Mais nous ne sommes pas des meurtriers, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des fascistes de ton imaginaire débordant. De simples Français horrifiés face à la disparition de ce qu'ils ont connu. Mais attention, Wissam, à force de vouloir supprimer la fragilité blanche, tu finiras par l'ôter à un dégénéré peu civilisé, contrairement à toi et moi. Parfaite transition pour parler de sa vidéo sur le grand dérangement. Je pense que cette vidéo est celle où nous sommes majoritairement d'accord, mais c'est notre lecture qui diffère. Par contre, il entame sa vidéo en sous-entendant que les blancs n'ont pas de dignité. Réponse qui se contente de dire que le grand remplacement n'existe pas, bah je suis désolé, mais c'est une réponse typiquement blanche. Mais nous, on a une dignité. Nous, en tant que noirs et arabes, on peut pas se contenter de ça. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais il a un racisme tellement décomplexé. Quelques secondes plus tard, tu dis que vous n'allez pas rester dans votre coin à ne rien faire. Et je suis totalement d'accord avec toi. Nous n'allons pas établir une politique d'enfant unique. Vous faites des enfants, on ne peut pas vous en vouloir. C'est notre but commun sur Terre. Juste après, tu nous demandes quel est le problème s'il y a plus de Noirs et d'Arabes en France. Mais ce n'est pas qu'une question de race, Wissam. Souvent, la culture importée ne s'efface pas pour adopter la culture française. Et c'est ça que nous dénonçons.
et malgré les générations et les générations, certains ne veulent pas renier vos traditions, pourtant incompatibles avec les nôtres. Et comme vous le dites souvent, c'est une question d'interprétation. Mais au vu de tes fréquentations, je me pose des questions sur les tiennes. On ne peut pas te reprocher de vouloir faire des enfants. Mais tu ne peux pas nous en vouloir de souhaiter aux nôtres des coutumes, des lieux, des traditions que nos ancêtres ont pu nous transmettre. Et on peut partager ça. Mais la diversité, c'est comme le sel dans la soupe. Pas du tout, c'est fade. Et trop, c'est imbuvable. À 7 minutes 17, tu donnes un argument qui va dans notre sens. Tu affirmes qu'il y a déjà eu des dérangements de population. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est aussi un exemple de grand remplacement, d'une population qui a été remplacée par une autre. Et c'est justement tes exemples qui prouvent que le grand dérangement n'est pas une théorie. À 9:22, tu nous dis que parce que les Blancs ont dominé le monde, il est légitime de se faire à notre tour grand dérangé. Donc pour toi, tous les Blancs font partie de la même culture, la même ethnie, les Européens, les Slaves, les A. Non, je suis bête. Pour toi, il existe aussi des sous-cultures comme les Serbes. À 10 minutes 28, tu dis que ce ne sont pas les Noirs et les Arabes qui ont détruit la culture française, mais bien la République. Autre vérité qui fait mal, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes qui ont détruit la diversité culturelle de la France. Diversité culturelle qui faisait vraiment la richesse de la France avec des langues, des coutumes, des danses qui étaient vraiment multiples selon les régions. Ce qui a détruit tout ça, ce n'est pas les Noirs et les Arabes, c'est la République française. C'est l'État-nation français lui-même. Et il l'a détruit parce qu'il a tenté d'unifier la France. Ça a été le projet de la République, ça a été le projet de l'école, de détruire toutes les particularités locales pour créer vraiment le sentiment d'une unité nationale. Et l'on se rejoint parfaitement là-dessus. Mais tu oublies que la République est très récente à l'échelle de l'histoire du pays et qu'une bonne partie de tes opposants ne la cautionnent pas. Un peu plus tard, tu argumentes en disant que même sans l'immigration, la culture française a évolué. Évidemment qu'on le sait. Mais nous avons suivi un fil conducteur. Toi, tu nous parles d'un remplacement total. Les mêmes structures, les mêmes rues, mais une autre population. À 12:42, tu fais une inversion des rôles en disant que vous subissez un remplacement, car votre culture évolue à cause de la nôtre. Mais en fait, tu oublies que vous, c'est un choix volontaire. Vous êtes là car vous êtes mieux que dans vos pays d'origine. Tu es là volontairement, donc c'est une assimilation voulue, pas imposée. Et tu justifies ce prétendu remplacement en parlant de la raclette halal. Que bah, nous aussi, la France, elle nous change. C'est un mouvement dialectique, il y a une relation. Les Noirs et les Arabes, on n'arrête pas de le dire, ceux qui vivent en France, ils se blanchissent. Ils deviennent petit à petit blancs. Pas blancs au sens biologique, mais blancs au sens culturel, au sens idéologique. Et donc, nous aussi, on subit une forme de grand remplacement. Nous aussi, notre culture d'origine, elle est changée, elle est transformée par la culture française. On se blanchit dans notre façon de parler, dans notre façon d'écrire, dans notre façon de penser, dans nos goûts culturels, dans notre nourriture. Bah, je sais pas, bah, regardez la raclette halal. Sérieusement, on en parle de ton argument ? Un peu plus tard, tu affirmes que nous jouons avec la peur de nos compatriotes pour donner vie à cette théorie du grand dérangement. Mais sur quoi est basée cette peur, Wissam ? Tu cites Colette Guillaumin, une sociologue aveuglée par son idéologie. Selon elle et selon toi, nous ne sommes pas basés sur des faits réels. Ça serait un de nos fantasmes. C'est marrant de la part des personnes qui nous empêchent de faire des statistiques ethniques. Il est vrai que la situation française est peu précise. Mais quand on se base sur les pays frontaliers, notamment leurs statistiques, cela nous en dit long. 15-06. Il commence à sortir les disquettes antiracistes, le grand dérangement serait imaginaire, un fantasme d'extrême droite. Il passe sa vidéo à essayer de prouver de manière hasardeuse que ce phénomène n'existe pas. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de conclure la chose suivante. Plutôt que d'essayer de rassurer les Blancs qui sont inquiets et qui ont peur de voir débarquer une horde de sauvages noirs et arabes, et donc de disparaître de la surface de la planète, et face à ça, d'ériger des barricades partout en Europe, je pense qu'il faut proposer une alternative. Et pour commencer à proposer une alternative, il faut admettre une chose, c'est que le changement, c'est pas quelque chose de forcément négatif, et que de toute façon, il faut l'affronter. Et donc, dans cette alternative, il ne faut pas nier le changement, mais plutôt participer à un changement qui soit le plus désirable possible. Mais quand on voit qu'il soutient des gens comme Éric Glissant, qui encourage une créolisation violente, on commence à sentir une contradiction, jusqu'au moment où il n'y a plus de doute. Déconstruction de la déconstruction. Dans cette autre vidéo, on peut cerner beaucoup mieux sa haine envers le blanc. Il faut réfléchir en termes matériels. Matériellement, le blanc, et même le blanc prolo, le blanc prolétaire, le seul avantage qu'il a sur l'arabe ouvrier, bah c'est le fait d'être blanc. Par la suite, il nous dit qu'il n'y a aucun souci avec les blancs en désaccord avec lui, tant qu'ils ne deviennent pas des militants. En fait, ce qu'on attend des blancs, c'est pas tant qu'ils se déconstruisent. Franchement, moi j'en ai rien à faire si vous aimez pas l'islam, si vous aimez pas le voile, tant que ça reste votre opinion personnelle et que vous allez pas militer politiquement pour ça, bah c'est votre avis. Moi je vais pas essayer de le changer, chacun son opinion. Ce qui deviendrait problématique, c'est quand vous allez vraiment engager un combat contre ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Pour lui, le blanc doit rester docile, à sa place. Même les blancs qui se déconstruisent ne l'intéressent pas. Comme quoi, l'ethnomasochisme ne sert personne. C'est pas parce qu'il va y avoir 3-4 blancs qui vont se déconstruire que tout ça va s'effondrer. Et pire encore, la déconstruction, elle peut être utilisée contre nous. Mais ce qui est génial avec l'idéologie de Wissam, c'est qu'elle est conçue pour ostraciser le blanc du débat public et ainsi anéantir toute contradiction. Mais le prétendu antiraciste a dû s'adapter à l'arrivée de ses adversaires non-blancs. L'intégralité de cette vidéo sert à montrer que les non-blancs qui te contredisent ont tort
car ils sont sous l'emprise presque magique des blancs. Mais en soi, tu n'apportes aucun argument pour prouver qu'ils ont tort. Tu passes l'entièreté de la vidéo à vouloir démontrer qu'ils ne sont pas en mesure de critiquer ta lutte plutôt que de répondre aux propos avancés. Tu nous montres un extrait de l'imam Chalgoumi, tu affirmes qu'il nourrit l'islamophobie alors que celui-ci encourage juste Israël à stopper le mal dans le monde arabe. En fait, tu es tellement pro-palestinien que tout ce qui ne va pas dans le sens de ce pseudo-pays devient automatiquement islamophobe. Et tu enchaînes les figures politiques qui critiquent l'islam de manière plus générale, en affichant un extrait sans le commenter, sans la moindre profondeur, le moindre fondement, sans doute pour décrédibiliser tes adversaires. Tu arrives quand même à nous dire dans la même vidéo que vous ne pouvez pas vous permettre d'être dépendant financièrement de quiconque pour faire la manche avec ton Tipeee dans la foulée. En parlant de ça, je vous invite à me faire des dons sur le Tipeee que je viens d'ouvrir. Oui, je m'en dis aussi, mais faut pas le dire. Wissam s'est attaqué au racisme anti-blanc. Une vidéo de 12 minutes qui contient quelques pépites. À 9 minutes 50, il dit qu'il peut être un peu sympa et accepter que les blancs puissent être victimes de ce système, mais vraiment qu'un peu. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement parler de racisme anti-blanc, mais vous voyez que ça reste très 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 spéculatif. Ou pour le dire autrement, c'est un grand fantasme. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les blancs peuvent souffrir aussi du système racial? Eh bien écoutez, on peut être un peu sympa et dire que oui, eux aussi, dans un sens, ils sont un peu victimes de ça. Il fait preuve d'une mauvaise foi considérable. Je vous ai concocté une vidéo de 17 minutes pour vous montrer l'étendue du racisme anti-blanc. À 10 minutes 51, nous arrivons dans un passage qui en dit très long sur notre cher militant. Après avoir développé durant un moment sur les bénéfices coûts d'être blanc, il appuie ses propos avec une citation et un extrait de Jean Genet. Vous ne savez pas qui est ce Jean? Ne vous inquiétez pas, je vais vous le décrire très rapidement. Un auteur, écrivain, qui a volé toute sa vie, qui a écrit des textes complètement dérangés, qui fantasmait sur des conducteurs de chars de l'armée allemande, qui a déjà posé dans des uniformes nazis, il est antisémite, anticolonialiste, révolutionnaire et pro-palestine. On admire tes références, Wissam. Tout est bon pour tenter de culpabiliser le blanc et de radicaliser les autres. La vidéo suivante est d'une honnêteté intellectuelle sans précédent. Wissam nous parle encore de son délire racialiste avec pour exemple Ribéry et Jules. Il introduit la vidéo en disant qu'on ne peut pas être antiraciste et croire au racisme anti-blanc. En moins d'une minute, Wissam dicte les règles à ceux qui le regardent. 3 minutes 15, il dit que Ribéry est victime du racisme car les moqueries visent sa conversion à l'islam. En fait, on reproche à Ribéry de s'être indigénisé, c'est-à-dire d'avoir adopté des codes de conduite, des codes de comportement, des codes d'expression qu'on attribue aux populations non blanches. Déjà, exemple claqué. Démontrer l'inexistence du racisme anti-blanc avec Ribéry et des Françaises converties, c'est quand même osé. Alors oui, on se moque de Ribéry et des Françaises converties à l'islam. Car ils s'intègrent à une culture qui n'a pas su s'adapter à leur pays d'origine. Mais là où les blancs se contentent de moqueries, dans ta religion, un autre sort est réservé aux apostats. Dans encore une autre vidéo de Wissam, un de ses acolytes qui intervient de manière récurrente dans les vidéos de l'antiraciste est présent. Celui-ci dénonce les dérives du gouvernement français durant la guerre d'Algérie, en nous parlant notamment d'un couvre-feu pour les Nord-Africains. Et il a bel et bien raison. Mais il pose son regard nouveau, en période de paix, sur des faits d'il y a longtemps en période de guerre. Mais il s'agit de son héritage. C'est quelque chose de très important pour lui. Nous pouvons le voir pleurer durant une commémoration. C'est pour nos anciens, ça. Ouais, voilà. Voilà, c'est pour nos anciens. Bien sûr. Il est attristé d'une période qu'il n'a pas connue. Comme nous pouvons être nostalgiques d'une France que nous n'avons pas connue non plus. Et c'est très humain. En revanche, on sent qu'il déteste la France. Ce témoignage n'est pas là par hasard. Il y a une volonté de revanche, de vengeance plutôt que d'antiracisme. C'est une affaire personnelle. Et plus tard, la guerre des chiffres commence. Wissam les déforme et les plie totalement pour appuyer son propos, pour tenter de prouver que nos institutions sont racistes. Il affirme que 746 personnes ont été tuées pendant leurs interpellations depuis 1960. Il y a eu 1000 personnes qui ont été tuées par la police française. À 75%, c'était des personnes non armées et très majoritairement des personnes non blanches. Alors que quand on creuse, il n'y a pas que les interpellations, mais aussi quand les interpellés étaient sous la surveillance de la police. Les morts en garde à vue à cause d'un état de santé fortement dégradé sont donc pris en compte. Le chiffre paraît plus léger, quand on le ramène sur une moyenne, cela nous donne environ 17 par an. Et je me suis penché sur cette étude. Nous pouvons compter dans ces 746 individus, un policier de là-bas qui s'est suicidé après le meurtre de sa femme, nous pouvons compter l'assassin de Samuel Paty, un autre jeune musulman qui avait poignardé 3 personnes dont un mortellement, les personnes mortes durant les courses-poursuites sont également comptées, je suppose que le TER qui a happé 2 jeunes hommes était raciste, un homme s'étant noyé en voulant s'enfuir à la nage, victime du racisme de l'eau de la Seine, le terroriste de Strasbourg. Cela fait énormément de morts en moins lorsque nous retirons tout ça. Maxime Grimbert de StreetPass, en retirant les courses-poursuites, est tombé sur le chiffre de 47 personnes tuées en 10 ans. Mais ce n'est pas tout. Wissam dit qu'une grande majorité des gens tués par les policiers étaient des noms blancs désarmés. Les statistiques ethniques étant interdites, Bastamax est basé sur la consonance des noms des personnes décédées. Wissam essaye de paraître précis, mais ce sont des chiffres fantasmés
analysés de la même manière qu'aux États-Unis sans avoir le même contexte que ces États particuliers. De toute façon, la police française est tellement raciste qu'elle protège vos prières de rue, qu'elle ne déploie pas les blindés dans les quartiers, alors qu'elle ne se prive pas de le faire quand il s'agit d'empêcher les gens de revendiquer leur liberté collective. Où étaient les blindés après les matchs de foot de l'Algérie? À 13 minutes 17, tu dis qu'il est plus difficile pour les non-blancs de trouver du travail, mais tu sais très bien que c'est faux. L'étude des CV anonymes de Pôle emploi prouve que les non-blancs étaient encore plus discriminés lorsque leur nom et leur photo n'apparaissaient pas. Donc il faut arrêter avec cette disquette, elle n'est plus valable depuis quelques années. Et en boîte de nuit, les videurs sont rarement des skinheads néo-nazis, c'est souvent des armoires à glace provenant des quatre coins du globe. Donc c'est leur expérience empirique qui parle et non leur prétendu racisme. Mais de toute façon, tu t'en fous de la vérité. Ce qui compte, c'est le résultat. Tu es un militant. C'est pour ça que tu es prêt à voter Mélenchon, même si selon toi, il est islamophobe. Tu penses que le seul qui peut bloquer, pour le moment, sur un temps court, cette mécanique islamophobe, c'est Mélenchon. Donc moi, c'est juste sur le court terme. Sur le court terme, les élections, je vais voter Mélenchon parce que c'est le seul qui est à même de stopper cette mécanique. Tu es prêt à te servir de lui pour atteindre tes objectifs. Tu le dis toi-même, un de tes parents est blanc. Ton combat est un genre de règlement de compte avec une partie de ton identité. Ta haine est dirigée vers toi-même et une partie de ta généalogie. Et ton arme la plus efficace, c'est d'utiliser les comparaisons, jouant le plus possible sur l'émotionnel pour donner de l'impact à ton discours. Par exemple, dans un live, tu dis que les symboles de l'oppression des femmes, ce n'est pas le voile islamique, mais les talons et les jupes. Wissam, tu incarnes la mauvaise foi absolue. Est-ce qu'une femme a déjà été contrainte de porter des talons pour pouvoir traverser certaines zones géographiques de son pays sans se faire emmerder? Non. Certaines Françaises, en revanche, portent le voile pour rentrer chez elles sans se faire agresser. Tes comparaisons sont fallacieuses, tes exemples sont encore plus. Tu prends le cas de Benzema pour prouver que même en appartenant à une haute classe sociale, le racisme vous rattrape toujours. Karim a été victime de discrimination après ne pas avoir chanté la Marseillaise et avoir craché après celle-ci. Et tu le compares à Griezmann qui dit se sentir plus espagnol que français. Je méprise les deux. Mais si on n'a rien dit à Griezmann, c'est parce qu'il a seulement dit une banalité et qu'il n'est pas impliqué dans un chantage à l'aide d'une sextape. En plus de cela, Benzema affirme être algérien dans le cœur et en équipe de France pour le sport. Il n'a donc pas sa place pour représenter la France. Je pense qu'il y avait de meilleurs exemples que des sportifs aux capacités intellectuelles limitées. Je pourrais continuer longtemps avec Wissam, mais je pense vous avoir montré la dangerosité de cet opposant politique, prêt à rogner sa propre mère pour son combat idéologique. Wissam et ses alliés manient l'image, le son, la mise en scène, et investissent malgré le fait que leur chaîne ait encore peu de visibilité. À nous de prendre le relais. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, commenter pour me référencer, me soutenir sur Tipeee. Je vous invite à consulter la description, c'est Elkidam.